Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au programme ce soir, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. La question du handicap au travail interroge les employeurs comme les salariés, et les employés handicapés ont 3 fois moins de chances d'être en emploi et 2 fois plus de risques d'être au chômage que l'ensemble de la population active en France. On va en parler avec notre invité dans un instant. Et on décrypte l'actualité comme tous les mercredis dans Commentaires Libres ce soir avec les éditorialistes de Sud-Ouest. Au programme, retour sur la crise à l'hôpital. On parle aussi du congrès des maires de France qui s'est ouvert dans un contexte de tension. De Pontaillac à Guétari, les quarantenaires sont de plus en plus nombreux à squatter les spots de surf de Nouvelle-Aquitaine. Jérôme et Cyril sont professeurs des écoles et le mercredi, ils profitent de leur temps libre pour s'octroyer une séance de sport santé dans les vagues de Lacano. On les suit tout à l'heure dans votre émission Découverte, mais d'abord les titres de votre journal. Le tombeau de Montaigne contient-il bien la dépouille du philosophe? Une fouille archéologique était organisée cette semaine au musée d'Aquitaine pour s'en assurer. Et les premiers résultats ont été dévoilés aujourd'hui. Vous allez le voir, des doutes planent toujours. C'est une première en France. Un conseil des jeunes de la protection de l'enfance est ouvert aujourd'hui à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Objectif, faire entendre la voix des enfants en famille d'accueil. Y a-t-il vraiment des problèmes d'insécurité à Bordeaux? C'est une question qui divise les candidats à l'élection municipale. Plusieurs agressions, notamment dans le quartier Saint-Michel, ont remis le sujet à l'ordre du jour. État des lieux dans ce journal. La météo pour ce jeudi, le département sera partagé entre pluie et éclaircie dans l'après-midi. Température un peu moins fraîche, jusqu'à 13 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux. Michel de Montaigne repose-t-il bien au musée d'Aquitaine? 400 ans après sa mort, son tombeau a été ouvert pour vérifier s'il recueille bien la dépouille du philosophe. Une enquête archéologique dont les premiers résultats ont été livrés aujourd'hui. Reportage de Mathilde Blaillot. Il faudra attendre encore un peu avant de savoir si Michel de Montaigne repose bien dans le tombeau du musée d'Aquitaine. Les analyses des os n'ont pas encore eu lieu, mais la sépulture a révélé de premiers indices. Dans le cercueil en bois, les scientifiques ont découvert une boîte en plomb qui contient des ossements. Une surprise encourageante. Les contenants en plomb sont, alors sans être extrêmement répandus, on en trouve pour les personnes plutôt aisées à la période moderne. Donc, c'est une boîte qui nous intéresse. Les chercheurs doivent désormais étudier les ossements à la recherche des traces de la vie de Michel de Montaigne. La première étape, c'est le sexe et l'âge, déjà. Et ensuite, effectivement, voir s'il y a des pathologies qui peuvent être relevées sur le squelette. Donc les calculs rénaux peuvent être éventuellement retrouvés. Et on sait, enfin, d'après les sources écrites, il aurait connu plusieurs fractures. Donc là aussi, on pourra comparer ce que les textes nous racontent avec l'état du squelette. Différents objets trouvés aux côtés du corps devraient donner davantage d'indices sur l'identité du squelette. Mais l'intérêt scientifique de la fouille dépasse la figure du philosophe. Ça va nous apporter probablement énormément d'informations, justement, sur Michel de Montaigne et aussi sur le paysage dans lequel, j'insiste là-dessus, dans lequel il a vécu. Son imprimerie était juste à côté. Simon Millange, il habitait à quelques encablures de là. Il travaillait à l'hôtel de ville qui était à la Grosse Cloche. Donc à partir d'un corps, à partir de quelque chose qui peut paraître une micro-histoire, ben, peut-être qu'on va pouvoir raconter quelque chose de très important. C'est véritablement ce paysage du XVIe siècle, en partant du tombeau, du quartier, de la vie et de la mort, donc de Michel de Montaigne. Des tests ADN vont avoir lieu et les analyses scientifiques continueront pendant toute l'année 2020. C'était aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant et à cette occasion, le premier conseil des jeunes de la protection de l'enfance s'est installé aujourd'hui en Gironde. Ce qu'on appelle les enfants placés vont donc pouvoir se faire entendre via leurs représentants. C'est une première en France. Dominique Parmentier. Ils sont une centaine assiégés aujourd'hui dans l'hémicycle du conseil départemental. Âgés de 8 à 28 ans, ils vivent ou ont vécu en foyer ou en famille d'accueil. Et c'est la première fois qu'ils vont prendre la parole publiquement. Aujourd'hui adultes, Jeff et Quentin, placés dès l'âge de 9 et 10 ans, auraient bien aimé être entendus à l'époque pour exprimer ce qu'ils vivaient.
Ce qui m'a manqué, c'était surtout en fait, le fait d'avoir un lien un peu affectif qui était inexistant, en fait, tout simplement. Les éducateurs ne savent pas forcément comment réagir. Est-ce qu'on a droit, par exemple, à un enfant qui pleure, de lui faire un câlin? On n'est pas forcément entendu, on nous écoute, les éducateurs nous entendent, mais à hauteur d'éducateur, c'est peu, en fait. Donc le fait de faire résonner notre parole au-delà des éducateurs, ça peut amener à faire un gros changement et à faire en sorte que les enfants évoluent encore mieux que ce qu'ils font maintenant. Aujourd'hui, c'est un peu tard pour moi. J'ai 28 ans, donc j'ai plus besoin. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me suis un peu retrouvé pas seul, puisque j'ai eu la chance d'avoir une très bonne référente et le droit d'avoir, et la chance d'avoir ce contrat jeune majeur. Mais je me suis quand même senti seul à certains moments donnés. Je me suis dit, tiens, comment je fais? Et à 21 ans, quand le contrat est terminé, du jour au lendemain, on est tout seul. J'ai dû prendre 3 boulots pour m'en sortir. Donc, oui, j'aurais bien aimé que ce conseil soit là. Donner la parole à ces jeunes, conformément à l'un des piliers de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est la première raison d'être de ce conseil. Mais aussi leur donner la possibilité d'agir sur la politique publique en toute indépendance, affirme le département. Il est rattaché à l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Il n'est pas sous l'égide ni de l'administration, ni des élus. Et donc l'Observatoire sera aussi là, départemental de la protection de l'enfance, pour porter aussi les avis et recommandations qu'ils nous donneront. Et nous essaierons, bien sûr, de faire évoluer la politique publique pour répondre à leurs besoins et à ce qu'ils mettent en avant comme ou des dysfonctionnements ou des besoins importants pour leur bien-être. Le Conseil se réunira 4 fois par an, en commission et en plénière, et abordera des thèmes divers qu'il aura choisis. Une façon aussi de répondre positivement aux dysfonctionnements dénoncés en leur temps dans certains centres d'accueil en Gironde. Polanski, violeur, cinéma coupable, public complice, c'est ce qu'on pouvait lire hier soir sur les banderoles des militantes rassemblées devant l'Utopia. Ce mardi, en effet, une trentaine d'entre elles qui appartiennent au collectif Collage Féminicide de Bordeaux ont bloqué l'accès du cinéma pour empêcher la projection du film J'accuse de Roman Polanski. Le réalisateur accusé de viol fait l'objet d'une polémique depuis la sortie de ce film. Les militantes ont obtenu l'annulation de la projection hier soir. Elles veulent renouveler l'opération pour obtenir une déprogrammation totale du film à l'Utopia. Manifestation des accompagnants d'élèves en situation de handicap aujourd'hui partout en France. Environ 40 AESH, autrefois appelés AVS, se sont mobilisés devant le rectorat de Bordeaux. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une plus haute considération de la part de l'éducation nationale. Écoutez. On est ici pour déjà dénoncer les dysfonctionnements. On a énormément de personnel qui, à l'heure où on parle, n'ont toujours pas de contrat de travail. La rentrée a été catastrophique. Beaucoup de nos collègues n'ont pas été payés en temps et en heure. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la circulaire Blanquer de l'école inclusive n'apporte aucune amélioration pour ces personnels. Notre revendication de fond, c'est un métier, un statut de la fonction publique et des salaires décents. La plupart de nos collègues vivent avec 600, 700 euros par mois, c'est absolument insupportable. Je crois qu'il y a des besoins. L'accompagnement des enfants handicapés, c'est quelque chose de sérieux et il faut maintenant une vraie reconnaissance de ce travail à l'éducation nationale. Conseil municipal de Bordeaux, aujourd'hui le gros dossier, c'était le rapport sur les orientations budgétaires de 2020. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts locaux l'an prochain. Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, l'a assuré. En revanche, d'après ses projections, Bordeaux devrait connaître des difficultés à rester sous le seuil d'évolution des dépenses imposées par l'État. Écoutez. C'est l'objectif. Alors même d'ailleurs qu'on aurait les moyens financiers d'aller au-delà. Mais on a signé un contrat, moi je souhaite le respecter. Ça nous a permis d'ailleurs d'amener de la sobriété dans les dépenses publiques. Mais on va le respecter et en sachant qu'on a des marges de manœuvre. Donc les impôts n'augmenteront pas, même si vous êtes réélu derrière? Non. Et là, sur la durée du mandat. La sécurité, thème surprise de la campagne des municipales, un sujet qui n'avait pas été au cœur des dernières élections à Bordeaux et qui revient sur le devant de la scène après plusieurs agressions ces derniers mois dans le centre de Bordeaux. Alors existe-t-il vraiment un problème d'insécurité dans la capitale de la Gironde? Ce sera le sujet de notre premier grand débat à voir vendredi sur TV7 à 18h30. On fait un état des lieux avec Franck Poirot. En l'espace de quelques semaines, deux faits divers ont particulièrement défrayé la chronique bordelaise. Fin septembre, un jeune homme de 24 ans perdait la vie d'un coup de couteau dans une rixe face à 3 SDF, place Saint-Projet,
Quelques jours plus tard, rue Fustery, dans le quartier Saint-Michel, un homme de 31 ans était retrouvé inconscient en arrêt cardio-respiratoire par des passants. Il présentait une blessure importante provoquée par arme blanche. Il n'en fallait pas plus pour relancer les problèmes de sécurité dans le débat public. Pour Jean-Louis David, adjoint au maire de Bordeaux, certains endroits de la ville sont à reconquérir, comme la place Saint-Michel par exemple, la place Bir Hakeim ou encore la porte de Bourgogne. Cette violence n'existait pas, selon lui, il y a quelques mois. Souvent le fait de problématiques entre les uns et les autres, de rixes qui se terminent mal, d'alcoolisation trop importante, de territoires de drogue, de dealers, etc., qui règlent leur compte par rapport à ça. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est de la véritable insécurité. Au Grand Parc, au printemps dernier, une affaire de stupéfiants a elle aussi nourri le sentiment d'insécurité. Elle a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. 12 personnes ont été écrouées dans le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue. Au particulier, les dealers qui agissaient dans les cages d'escalier des immeubles pouvaient recevoir jusqu'à 40 consommateurs par heure. Dans les faits, les chiffres bordelais de la délinquance sont explicites. Si on compare les périodes de janvier à octobre 2018 et de janvier à octobre 2019, on s'aperçoit que les homicides et les coups et blessures volontaires et les vols avec armes restent quasiment au même niveau. En revanche, la délinquance progresse inexorablement entre 2018 et 2019. Les vols violents sont en augmentation de 15%, les cambriolages de 24%, les vols de véhicules de 12% et enfin les vols à l'intérieur des véhicules de 23%. Pour la préfète de Gironde, venue début novembre faire un point sur le dispositif de reconquête républicaine mis en place dans le quartier de Bordeaux-Maritime, le sentiment d'insécurité est difficile à combattre. Ce quartier représentait 15% de la délinquance globale bordelaise, c'est aujourd'hui 10%. Alors je vais vous dire des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faut être humble, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des choses à faire. Oui, il y a encore des gens qui ont un sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose de difficile aussi pour lutter contre ce sentiment. Mais nous avons pour chaque situation une réponse. Le débat sur la sécurité, de l'interprétation des chiffres et de ce fameux sentiment d'insécurité s'invite donc dans la campagne des élections municipales. À noter, ce n'est pas un détail, que les problèmes et les questions de sécurité d'un territoire sont exclusivement de la compétence de l'État. Voilà, le premier débat des municipales autour de ce thème de la sécurité à Bordeaux. C'est à voir ce vendredi à 18h30 sur TV7. Ce sera avec 4 des candidats à cette élection. Dans le reste de l'actualité, à noter cette disparition inquiétante dans le port de Pauillac. Les plongeurs de la gendarmerie effectuent des recherches depuis hier suite à l'annonce de la disparition d'un homme de 61 ans qui vivait dans son bateau. Il résidait dans le port depuis un certain temps. Un avis a été lancé pour disparition inquiétante. Le tour de la région continue pour récompenser les chefs d'entreprise avec le prix des Néo-Aquitains organisé par Sud-Ouest et la Banque Populaire. Hier soir, c'était dans les Landes, à Mont-de-Marsan, et c'est Zoumalia, une animalerie en ligne, qui a été récompensée. Son patron n'est pas peu fier de représenter son département pour la grande finale régionale qui aura lieu le 23 janvier. On l'écoute. Alors, ce que ça me fait en tant que chef d'entreprise landais de représenter les Landes, c'est représenter, comme on l'a vu ce soir, en fait, le bien-être de notre département, qui ressort particulièrement chez Zoumalia, dans la fibre qu'on peut avoir, notamment chez nos 120 salariés, puisqu'il faut trouver un bon compromis entre la partie bien-être, bien-être dans la vie, bien-être au travail, et la partie efficacité opérationnelle et exigence. Donc c'est un beau challenge, mais l'avantage c'est que ça se fait toujours dans la bonne humeur et le bien-être. Zoumalia, c'est une société qui vend des accessoires pour animaux et de l'alimentation pour animaux de compagnie. Donc aujourd'hui on emploie 120 personnes et on fait autour de 40 millions de chiffre d'affaires. Un mot de sport, la surfeuse de Lacano, Justine Dupont, a sans doute battu un record mondial mercredi dernier sur le spot de Nazaré au Portugal. Elle a surfé une vague estimée à plus de 20 mètres de hauteur. Vous voyez sur ces images impressionnantes. Le record en la matière chez les dames est détenu depuis octobre 2018 par la brésilienne Maya Gabeira avec 20,72 mètres. La vague de Justine Dupont n'a pas encore été mesurée, mais elle a été filmée et pourrait donc être homologuée. Et justement, à Lacano, les quarantenaires sont de plus en plus nombreux à grimper sur une planche de surf. Loïs Clément les a suivis pour votre émission Découverte. À voir ce soir sur TV7, l'occasion de redécouvrir les vertus du surf à un âge où il est important de se maintenir physiquement. C'est ce que constate Nicolas qui travaille dans un surf shop de Lacano. Écoutez. On a de plus en plus de personnes qui se mettent sur le surf, pas qu'au plus jeune âge.
Après, on bénéficie d'un des meilleurs endroits en France pour apprendre. On a des super bancs de sable, souvent des petites vagues. Donc du coup, même à tout âge, c'est hyper accessible. Au final, on s'aperçoit que ils y prennent goût et puis c'est toujours plus sympa d'avoir, d'être en famille dans l'eau, pas que les enfants. Du coup, les parents sont là et on propose uniquement des planches en mousse pour les débutants. Voilà, ça varie de 7 à 9 pieds. Quoi, un pied, ça fait environ 33 cm. Donc on a des planches qui font un peu plus d'une taille humaine. Planches qui tournent autour des 2 mètres, 2 mètres 20, plutôt large, à peu près deux fois le gabarit d'un homme normal. Donc voilà, ça fait du 70 litres. Peu importe les conditions, même s'il y a du courant, on cherche beaucoup de stabilité. Donc voilà, des planches vraiment très larges et en mousse. S'il y a conflit ou pour éviter tout ce qui est petites blessures, coups dans la tête, c'est toujours plus agréable de se prendre une planche en mousse qu'une planche en dur. Votre émission Découverte à voir en intégralité ce soir sur TV7. Voilà pour l'actualité de ce mercredi. Vous pouvez retrouver ce journal sur le nouveau site de TV7, tv7.com, notre site internet qui s'est donc refait une beauté, où vous pourrez retrouver aussi toutes les émissions classées par thème et même par département. Restez avec nous sur TV7. On revient dans un instant, on va parler de la question du handicap au travail.